Salut tout le monde, c'est Gamaliel, j'espère que ça va comme vous voulez, ou surtout comme ça peut aller en ce jour de possible fin du monde. Comme vous le savez, on est le 21 décembre, hein, c'est pour ça que le week est un peu avancé, hein, il est pas 20h, il est minuit. On se retrouve donc pour le week 66. D'ailleurs, il est 06 à ma pendule, hein, 06, 66, hein, ça fait 666. Enfin, si on les cumule, hein, si on les additionne, ça casse un peu le délire. 666, un 21 décembre. Bah, je trouve ça moche, hein. Surtout que le jeu que je vais présenter pour ce week est développé par la team 2012 et s'appelle Masteroid, on reste dans la thématique. Moi je pense que c'est vraiment un signe de quelque chose. Non, plus sérieusement, en fait c'est signe de que dalle, juste que j'ai choisi un jeu qui allait vraiment avec tout le bordel ambiant de cette journée. Donc pourquoi Masteroid? C'est une contraction de masse et d'astéroïde, hein, rien à voir avec un produit licite qui pourrait m'appartenir. J'en ai pas besoin. Donc voilà, on contrôle un astéroïde avec le joystick de gauche sur un scrolling vertical de haut en bas. Et donc on peut taper des petites accélérations pardon, avec A. Et voilà, pour nous permettre de récupérer des débris dans l'espace pour augmenter notre masse, qui est à gauche, le score à droite lui est le score global, hein, voilà. Alors pourquoi augmenter notre masse? Déjà parce que le but, bah là, c'est de faire un gros score, et c'est surtout que notre masse on la perd, vous voyez que là, là je suis en train de perdre ma masse, alors je touche rien, faire attention au bon parce que ça vous fait perdre grave de la masse. Donc voilà, le but du jeu c'est d'en perdre le moins possible. Là l'extraterrestre par exemple, ça me permet de pas perdre de masse, ça bloque le compteur. Et vous allez me dire, mais pourquoi je perds de la masse comme ça? C'est vraiment parce que je suis rentré dans l'atmosphère de quelque chose. Je vais dire, mais je rentre dans l'atmosphère de quoi? Dans l'atmosphère d'une planète. Et devinez laquelle de planète? Et eh ben notre gentille petite Terre qui a rien demandé à personne et que l'on va éclater en essayant de faire le plus de dégâts. Et là je sens bien le continent, je sens bien le continent. Oh oui. Énorme, 319 millions, j'ai pété un continent. D'ailleurs c'est un peu marrant de péter un continent le jour où tout le monde se pisse dessus. Hein. Oui bon, elle est perchée, elle est pas drôle et personne la comprendra. Enfin bref. Donc voilà le but du jeu, c'est juste de voilà d'amasser d'amasser le plus de masse. Aujourd'hui, ah, moi les fans du monde, moi ça me stimule à niveau van de merde. Donc voilà pour faire le plus de dégâts. Mais vu que j'ai pas envie de, c'est quand même la fin du monde, enfin potentiellement la fin du monde, il va se passer un truc. On va essayer vraiment de faire un truc vraiment assez master, de tout ramasser. D'ailleurs, faut que je fasse un petit point Wig. Le vendredi prochain, il n'y aura pas de Wig, il sera avancé à lundi, car c'est un Wig spécial Noël. Et faire un Wig spécial Noël 4 jours après Noël, c'est pas génial, niveau impact marketing. Donc voilà, je vais l'avancer à lundi, 20h, si nous survécution à tout ceci. Et donc voilà, il n'y aura pas de Wig le vendredi 28 je crois. Il n'y aura pas de Wig non plus les deux premières semaines de janvier. Comme vous le savez, une saison de Wig c'est 50 épisodes, une année c'est 52 semaines. Donc voilà, je dois prendre 2 semaines entre guillemets de vacances, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres vidéos. Donc voilà, pas de Wig avant le 18. Hop, bien par là toi. Voilà, bah, de toute façon si on crève on s'en branle un peu. Hein. Allez, on va essayer de faire un joli dégât, c'est quand même le 21, faut fêter ça. Je peux pas rechoper les cailloux, allez, voilà, nickel, ça c'est bon ça c'est très très bien ça, non, ça c'est moins bien, ça c'est un peu de la merde, arrêtez de me faire chier avec vos conneries, allez, on va peut-être dépasser les 1000 là, ouais, on est à 980, allez, on y croit, on a de la masse, tout ça pourquoi? Eh bien écoutez, je suis content. J'ai éclaté 7 milliards de terriens, hein. Je crois que c'est sympa pour se laisser, hein. Voilà, sur ce petit wiki qui coûte un petit euro. De toute façon on s'en fout, si on crève vous pouvez bien claquer un euro, bande de radins. Donc voilà, ça s'appelle Masteroid. C'est gentil, de petite musique typique de fin du monde, hein. C'est bien connu. Et ben quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, enfin, parce que je sais pas trop à quelle heure ça va arriver, je sais pas, fin du monde c'est entre midi, midi 30, je sais pas sûr, c'est bon, ça roule bien. Donc voilà, je vous dis rien, hein, parce qu'on est censé crever, mais bon, vu que c'est à peu près la 187e fin du monde qui est prévue, je crois que je me risque pas trop en vous disant, n'oubliez pas qu'à moi j'oublie pas, et puis à la prochaine, allez tous.